tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un... Coucou les loulous. Coucou. Est-ce que ça va aujourd'hui? Oui. Mais dites-moi, mais les petits copains, est-ce que ça va vous? Oui. Oui. Et dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Et oui, nous sommes l'automne et on ramasse des châtaignes. Alors, regardez les châtaignes, les petits copains. Alors c'est des bogues comme ça qui piquent les doigts. Et à l'intérieur, il y a quoi? Des... Ah, ben regardez. Une super... Aïe, 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 ça pique les doigts. Eh oui. Une super châtaigne. C'est voilà. Pour mon école. Ça, pour ton école ou pour ton ventre? Pour mon école. Oh, t'es généreuse. Et regardez là-haut. Il y a un singe. Non. Si, il y a un singe là-haut. Non, c'est papa. Oh, c'est papa. Mais qu'est-ce qu'il fait, papa? Il monte aux arbres? Non. Eh non, papa, il est en train de faire tomber les bogues. Par terre. Ah, attention, chute de bogues. Il est en train de faire tomber les bogues. Oui, ça s'appelle des bogues. L'enveloppe dans laquelle sont les châtaignes pour qu'on puisse ramasser au sol. Donc voilà. Donc là, maintenant, on va chercher. Alors, voilà. Donc par exemple, celle-là, il n'y en a plus. Alors, les petits copains, si un jour vous allez chercher les châtaignes, il ne faut surtout pas les chercher avec les doigts, mais avec le pied. Hop, regardez là, il y en a une, mais toute petite. On ne ramasse pas trop petite. Et après, on va en faire quoi, les enfants? Donc voilà, donc là. Hop! Et oui, donc on va les mettre au four. Voilà, on va les mettre au four. Celles-ci sont un peu petites. Et on va les manger grillées. Donc je vous laisse récolter un peu les châtaignes pour le repas de ce soir, hein, les loulous. Il y a des mini-fleurs. Il y a des mini-fleurs? Ils vont grandir après. Ils vont grandir. Là. Les violettes. Wow, c'est super. Après, ils vont grandir. Après, ils vont grandir comme toi? Mais non, comme Quentin, comme toi et comme papa. Ah oui? Ouh là là, mais elles vont être grandes alors. Ouais. Alors, est-ce qu'il y en a les enfants? Ah, regarde. Waouh, c'est joli. C'est bon ça. Mmh. Alors, dites-nous dans les commentaires si vous avez ramassé des châtaignes, si vous allez en acheter ou si on part en acheter en magasin. Voilà. Dites-nous si vous aimez ça et comment vous les aimez. On peut en faire en confiture, on peut faire griller au four, on peut faire de la crème de marron, c'est super bon. De marron, mais pas de châtaigne. Ah, et bien alors il faut savoir, les petits amis, que les marrons, ce sont des châtaignes. Non, c'est pas pareil. Ouais, alors il y a le marron, voilà, il y a le marron du cochon, qui est quelque chose qui ne se mange pas, mais les châtaignes s'appellent aussi des marrons, d'où les marrons chauds. Sauf que la châtaigne, on la reconnaît. Donc celui qui se mange, on reconnaît à quoi? Eh bien, regardez les petits copains, il a une petite queue. Voilà, là. Et là, ça se mange. Si tu le ramassais à la pelle, il y en avait des... Le croisé. Oh, le croisé aussi, attention. Tu le ramassais par seau avant. Ouais, par contre, il faut savoir, comme il dit le papa, c'est qu'avant, on les ramassait par seau. Et maintenant, les châtaignes commencent à être de plus en plus rares. Waouh. De plus en plus rare et surtout de plus en plus petite, comme Océane. Tu veux descendre? Comme un bébé. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je sais, c'est les châtaignes. Oh là là là, Océane est en train de monter tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Regardez comme c'est joli, les amis. Karata, papa, on va monter tout là-haut. On est vraiment en pleine forêt. Je veux monter tout là-haut. Tu veux monter tout là-haut? Bon, en haut de l'arbre, là. Il y a des ronces, regarde, il y a des ronces. Attention, oui, regardez. Alors, les petits copains, si vous allez aux châtaignes, faites attention. Ah, t'as perdu ton marron? En fait, surtout attention, parce qu'il peut y avoir des ronces, voilà. Ça va? Non? Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu ton marron? Oui. Oh, mais on va en trouver un autre, c'est pas grave. Hein? Ah, il est là. On va monter plus. Ah, fais voir à quoi il ressemble. Il y en aura plus. Il est tout propre. Waouh, il est magnifique, Océane. Il est tout propre. Il est tout propre. Il faut en trouver comme moi, il est tout propre. Ah oui, il est tout propre. On va aller à un autre endroit où il y en a plus, parce que là, bien sûr, tous les gens sont venus déjà les ramasser. Alors, on va aller un peu plus loin, les amis. Et toi, t'en as où? Alors, Corentin, il les met dans ses poches, lui.
C'est normal parce que j'en ai ramassé un pour... Je mets dans ses poches. Moi, je mets dans mes chaussettes. Non. Oh, le papa, il met dans sa culotte. Oh, n'importe quoi. Dans quoi? Dans son caleçon? Oh là 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 là, mais c'est vraiment n'importe quoi. Maman, tu peux m'aider à l'ouvrir? Alors, comment tu veux? Eh non, il n'y en a pas. Allez, on va un peu plus loin, Malou. Alors, nous voilà de retour. Alors là, on est en grande expédition, hein, les enfants. Alors voilà, là, il y a la route en bas. Voilà, donc nous, on est en train de monter. Pour voilà. Goûter, parce que c'est l'heure du goûter. Eh oui, c'est l'heure du goûter. Donc, on va goûter dans un petit endroit. Voilà, il y a un super châtaignier. Ouais, il est 5h, mais bon, c'est pas trop grave. Alors là, il y a un petit tarzan. Attention, les arbres, les loulous. C'est fragile, un arbre. Hop. Allez, bon, c'est un sale là, c'est un peu plat. Waouh, c'est super chouette ici. Arrête, maman, on va pas s'installer là. C'est tout pourri. Allez-y, c'est tout pris. Tout pourri. Tu veux que ce soit tout là? Alors, c'est un elfe, c'est une princesse, alors il lui faut au moins... Boum, je me suis pris la branche. Il lui faut au moins un canapé avec sa petite couverture, tout son petit confort, c'est ça? Ok. On goûte là, les enfants? Une bruyère. Non! Si, si, on goûte là. Une bruyère. Alors, quand Paille et Ossane, ils sont en train de manger. Tu manges quoi? Des petits paniers. Des petits paniers? Des paniers ou des palmiers? Palmiers. Des paniers. Des paniers, palmiers. D'accord. Des palmiers. Palmiers, oui. Palmiers. C'est des palmiers, louloute. Alors là, vous êtes au pied du châtaignier qui est magnifique, qui est super grand. Waouh. Voilà. Coco. On l'a fait pas des nouvelles. Ah, aussi, elle aime bien faire des bisous au téléphone. Hein. Oh. Et une fois qu'on a fini de goûter, qu'est-ce qu'on fait? On y retourne en châtaigne? Coucou, maman. Coucou. Oh, tu me vois là? J'ai soif. J'ai soif. Ah, j'ai soif. S'il te plaît. Ah, c'est mieux là. Qu'est-ce qu'il y a, louloute? T'en veux plus? T'en veux plus déjà? Pourquoi? Ok. C'est déjà fini de goûter? Bah là là, ça n'a jamais été aussi rapide. Hein. Ouais. On a... Qu'est-ce que tu fais, loulou? J'ai ramassé deux châtaignes. Oh. Toi, maman. Oh, je prends toute la place. Oh là là, je prends toute la place. Alors, les petits copains, dites-moi si vous voyez des châtaignes, tiens, dans les commentaires. Même pas les bêtes, toi, tu vas avec papa? Oui, et toi, tu vas être toute seule. Moi, je vais toute seule. Ah, moi, j'en ai trouvé. Il n'y en a pas beaucoup, les amis. Hein. Alors, regardez là. Ça, ce sont les grosses. Ah. Aïe, aïe, aïe. Moi, je vais. Où tu vas, loulou? Là-haut. Là-haut? Tout en haut de la montagne, là-haut? Non. Non, quand même pas. Regarde, peut-être plus bas, il y en a. Hein. Regarde, regarde un peu partout. Hein. Alors là, on est là pour ramasser des châtaignes, mais pas que, surtout pour se promener. Hein. Après, si on n'en ramasse pas beaucoup, c'est pas grave. Hein. On veut pas, il rigole parce que c'est vrai qu'on va pas ramasser beaucoup. Hein. Comme ça. Hop, moi j'ai entendu quelque chose tomber. C'est Océane qui secoue le branche. Ah, Océane fait tomber toutes les feuilles. C'est pas les feuilles qu'on va ramasser, Océane, non, c'est les châtaignes. Hein. Une pluie de feuilles. Ça, alors peut-être qu'on va aller un petit peu plus loin parce que moi j'en ai vu un où il y avait des châtaignes dessus parce qu'il en a plus dessus. C'est inquiétant. Ouais. Non, ah ah ouais, là-bas. Ici. Ouais, on va là-bas. Ici, il n'y a rien. Non, là il y a que des fougères, mon loulou. Viens, on descend plus bas. On est tombé sur un super coin où il y en a plein et des grosses. Mais bon, c'est au bord de la route. Mais regardez un peu tout ce qu'on ramasse pour le moment. Ah bien sûr, il y a les voitures à côté, donc désolé pour le bruit. Voilà.
Donc là, on en trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, il y en a qui sont mangés comme ça. Ça, c'est les petits animaux qui les mangent. Comme ils sont gros. Tu vois, ça, c'est des vrais, ça. Faut venir ici. Ah oui, ils sont beaux, ceux-là. Il y a un même qui veut de la balançoire. Fais-moi le bout de bois là, fais-toi le bout de bois fils. Ouais, fais-toi le bout de bois, t'as marché dessus là, fais voir. Ah, il est jeté, celui qui fait de la balançoire. Alors les petits copains, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Surtout, dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu. Qu'est-ce que t'as mangé? Des feuilles et des châtaignes pour Super. Alors surtout, dites-nous dans les commentaires quel a été votre moment préféré. Je répète, si vous aimez les châtaignes, tiens. Et surtout, n'oubliez pas de nous mettre un petit... Et qu'est-ce que tu regardes, Quentin, avec tes jumelles? Et dites-nous aussi si vous avez fait de la confiture avec ça. Ah, alors ça, les petits copains... La confiture de gratte-cul? Ouais, la confiture de gratte-cul. Oui, on peut faire de la confiture de gratte-cul, d'églantine, plus précisément avec ça. C'est très, 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 très bon, ça. Alors, si c'est pas déjà fait... Abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous dit ciao ciao. Ciao ciao les petits amis. À la prochaine.